c'est un couple. Ouais. La femme, elle est dans le lit comme ça à l'hôpital. C'est, ils sont vieux tous les deux. Elle a des perfs, elle a des machins, elle a un masque. Son mari, il est là, il lui tient la main, tout. Et à un moment donné, elle pousse un peu le masque, elle fait mon amour, mon amour. Et il fait oui, qu'est-ce qu'il y a, l'amour de ma vie, qu'est-ce qu'il y a. Il fait écoute, j'ai une dernière chose à te demander, une dernière chose avant de partir. Il fait tout ce que tu veux, mon amour, tout ce que tu veux, je ferai tout ce que tu veux. Elle dit fais-moi l'amour une dernière fois. Il fait mon amour, ça va pas, enfin, ma chérie, on est à l'hôpital, tu as des trucs partout, tu as des machins, tu as des trucs, c'est pas possible. Il fait fais-moi l'amour, je t'en supplie, fais-moi l'amour une dernière fois, une dernière fois. Et, mais ferme la porte, il prend la porte, il met une chaise, il bloque la porte. Et puis il monte sur le lit doucement, avec beaucoup de tendresse. Il commence à faire l'amour avec sa femme. À ce moment-là, il y a le rouge qui monte aux joues. Elle est là, elle est de plus en plus heureuse. C'est merveilleux, ils font l'amour, c'est sublime, c'est extraordinaire, machin. Et ça se termine en apothéose. Elle est là, en pleine forme, elle arrache les perfs, elle balance les trucs, elle déchire le masque. Elle fait viens, on se tire, je suis en pleine forme. Et lui, il reste sur le lit en larmes, il est en larmes. Il fait qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Fait, quand je pense que j'aurais pu sauver ma mère. Allez, les fiches. Hein. Un mec, il drague, et puis il n'a jamais essayé une cougar de sa vie, et puis en boîte, il n'y a plus rien, il reste une pauvre femme de enfin, pas fais attention, femme, mais... fais attention à ce que tu dis. Hein. C'est bien ça, Carole. Non, le type, il a 20 balais. Toutes les femmes sont belles, comme chantait Frédéric François, quel que soit l'âge. Et il y a une très belle femme de 65 ans, mais elle a 45 ans de plus que lui. Et il se dit, allez, pourquoi pas? Il voit qu'elle est réceptive. Elle lui dit, tu veux boire un verre chez moi? Il fait, OK, allons-y. Et c'est quand même une belle femme, malgré la différence d'âge. Et il se demande s'il va pouvoir assurer et tout. Et puis, il commence à flirter un peu. Elle lui dit, ça te dirait de faire un plan mère-fille? Et là, il dit, putain, franchement, je suis très agréablement surpris, ça a toujours fait partie de mes fantasmes. Là, franchement, ça me dirait, ouais, c'est un grand, grand oui. Et elle fait, bouge pas. Maman, descends! Alors, c'est Dédé et René, ils font la... Alors, on est d'accord, quand c'est familial, oui, hein? Oui, oui, oui. C'est Dédé et René, ils font la tournée des bars, puis ils n'ont plus en rond, quoi. Alors, tu sais comment on va faire, on est foutu. J'ai une idée, tu vois, on va à une boucherie. On va s'acheter une saucisse. Je vais mettre la saucisse. Je mets la saucisse dans le pantalon. Ouais. Puis au moment de payer, je sors la saucisse. Tu te baisses, je fais semblant un peu de manger la saucisse. Et là, tu vas voir, on va se faire foutre dehors et on part sans payer. Je dis, putain, René, tiens, génie. Merci, les gars. Et là, bon, alors, il va acheter la saucisse, il rentre dans le bar, et puis tu es sûr, tu vas voir, attends, je l'ai déjà fait, tu vas voir. Il va dire, pastis, deux pastis, trois, bah, il se bourre la gueule, l'autre. Bon, il faut payer, l'autre, il sort la saucisse, il fait, oh, vas-y, bah, tu se baisse, il mange un peu la saucisse, tu vois, il fait, oh putain, c'est dégueulasse, sortez de mon bar, ils se font virer. Mon père, oh, puis il se marre, il s'enchaîne. Trois bars, quatre bars, dix bars, au bout d'un moment, Dédé, il fait, oh René, j'en peux plus, là, tu vois, maintenant, c'est bon, quoi. Donne-moi la saucisse, on échange. La saucisse, ça fait au moins 5 bars que j'ai perdu. Elle est très bonne. Elle est très bonne.